Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers diplômés, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2008 de l'ISEG. Ce soir, ceux qui sont à l'honneur, c'est vous, chers diplômés, donc permettez-moi d'abord de commencer par vous. En tout premier lieu, de vous féliciter chaleureusement parce que vous venez de faire un parcours parfait. Vous avez tous réussi puisque vous êtes tous, ce soir, vous serez tous, tout à l'heure, diplômés. Diplômés de la promotion 2008 de l'ISEG et vous allez rejoindre la grande communauté des ISEGiens. Et d'un seul coup, vous allez changer de statut pour devenir un ancien ISEG. Je voudrais simplement faire un bref rappel parce que ce que vous venez de vivre. Vous avez vécu au cours de vos années ISEG des moments intenses de joie, d'amitié, de bonheur, d'autres moments plus difficiles, mais tout ça pour mener des projets à bon port, puisqu'en général, c'est des projets qui aboutissent. En particulier, vous êtes ce soir, pour la plupart, en bonne réussite professionnelle. Vous avez, depuis votre sortie de notre école ISEG, appris, découvert que l'ISEG était un lieu de formation à la vie, au travail en équipe, au respect des autres, à l'enthousiasme, et à la créativité. Vous avez aussi, on a dû vous le dire souvent ce soir, vous avez bien changé. Vous avez bien changé depuis votre arrivée chez nous, pour la plupart déjà il y a 5 ans. Vous avez, votre personnalité elle-même a évolué, en vous confrontant aux futures réalités d'entreprise, en vous ouvrant davantage aux autres, en découvrant des matières et des sujets que vous n'imaginiez pas pouvoir apprécier. Aujourd'hui, dans votre entreprise actuelle, vous découvrez des compétences que vous ignoriez avoir. L'état d'esprit ISEG que vous avez acquis vous permet de manier avec intelligence votre ambition personnelle et professionnelle. Je ne vous dirai pas que tout est merveilleux et que vous avez juste à vous laisser porter maintenant que vous êtes diplômé par votre diplôme et par ce que vous venez de traverser. Aujourd'hui, la crise et là, elle modifie nos comportements, nos habitudes, en particulier nos habitudes de consommation, notre façon d'être, et les changements professionnels seront plus rapides, pour les meilleurs, et parfois imprévus et douloureux quand on laisse passer les trains. Nous allons vers un monde nouveau, vous le sentez, en tout cas je suis persuadé. Mais je vous rassure, les crises sont parfois des périodes formidables pour se démarquer, pour prendre des risques, de l'avance et de considérer cela comme une opportunité et une dynamique positive pour entreprendre. Et pour grandir, bien sûr, parce que vous êtes jeune, quoi de plus beau que de savoir prendre des risques? Et vous avez pour cela votre capital jeunesse et votre capital formation. Vous avez les connaissances, mais surtout des compétences. Vous avez ce qui est essentiel, parce que durable, une personnalité bien construite.
et un état d'esprit sain et plus que jamais d'actualité. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un parrain prestigieux, Arnaud de Puyfontaine. Vous allez voir, c'est un jeune entrepreneur. On me dit qu'il a déjà derrière lui une longue expérience dans les directions d'entreprise. J'ai dans la direction du groupe M. Marc Drilèche qui occupe la direction du groupe au niveau de la communication en particulier. Il me racontait qu'il a du mal à lister l'ensemble des entreprises, M. Arnaud de Puyfontaine, où vous avez déjà fait non pas vos preuves, mais vous avez réussi à leur donner une taille et une existence qui les place parmi les meilleurs. Donc, je vous remercie d'avoir accepté d'être le parrain de la promotion 2008. Et j'imagine que nos étudiants, que vous allez privilégier nos jeunes qui osent, qui entreprennent et qui s'engagent. Jeunes diplômés, ce soir vous allez nous quitter, mais j'espère que vous n'allez pas oublier votre école. Nous avons, nous allons être fixés sur votre avenir et ce que vous allez devenir. Parce que nous avons derrière vous d'autres promotions qui arrivent et votre réussite sera aussi notre récompense et donc nous serons très attentifs. Et nous serons aussi présents dans les moments où vous aurez besoin de nous voir puisque nous sommes aussi présents à travers l'Association des Anciens puisque nous vous demandons d'être actifs et de développer ce qui est la force d'une école, c'est toute la culture de réseau. Je pense que vous n'avez pas trop de mal avec l'avènement de tout ce qu'il y a derrière Internet. Je ne vais pas faire de la pub pour tous les réseaux sociaux, mais vous êtes mieux placé que moi. Je pense que vous fonctionnez au quotidien déjà avec ça. Alors, ça sera l'occasion de ne pas rater l'approche aussi relationnelle dans le cadre de la vie des associations des anciens. Je voudrais, pour terminer, dire un grand merci aux équipes des 7 ISSEC de France, aux directeurs, corps enseignants, administration, pour vous dire que vous faites un travail formidable, passionnant, dans un métier difficile, qui est l'éducation. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les jeunes qui nous font confiance puissent mériter leur confiance. Et je suis sûr que ce que vous faites au quotidien, c'est que vous le faites bien et chaque jour, vous faites en sorte que le projet ISSEC, vous le développez de façon à le rendre de plus en plus performant. Bonne chance aux jeunes diplômés de la promotion 2008, bon vent et bonne soirée. Merci.